Bientôt, des mesures urgentes seront prises par le gouvernement et ses partenaires pour une réponse humanitaire efficace pour faire face à ces inondations. La commission multisectorielle humanitaire pilotée par le ministre des Affaires sociales a lancé un appel de solidarité et de secours au gouvernement pour la mise à sa disposition des ressources à travers la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. C'était à l'issue d'une réunion d'évaluation élargie aux partenaires internationaux tenue jeudi. Près de 44 000 maisons, 1325 écoles, 200 centres de santé et 41 marchés publics écroulés. 85 routes dévastées, 304 521 ménages affectés avec un risque très élevé des maladies hydriques et autres épidémies, tels que les bilans des récentes inondations et glissements de terrain dans quelques coins du pays, dont Kinshasa. Bilan livré par la commission multisectorielle, mise en place par le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Au cours de cette réunion de crise élargie aux partenaires humanitaires internationaux, présidée par Modeste Moutinga ce 10 décembre à la Caisse des Solidarités Nationales et des Gestions Humanitaires des Catastrophes, en présence de Raymond Bongolé et M. Kayembe, respectivement DG-DGA de la CSNGHC, le secrétaire général, les experts du ministère de la Santé, Agriculture et Action Humanitaire et les experts techniques de tous ces ministères, le ministre a réitéré l'appel de solidarité des secours d'urgence adressé au gouvernement en faveur des victimes et rassure de la réponse imminente sur instruction du chef de l'État. Le résultat est catastrophique dans la mesure où il y a eu beaucoup de déplacés, il y a eu des morts, il y a des maisons englouties, il y a propagation de maladies, il y a des centres de santé, des écoles qui sont dévastées. Il faut des solutions urgentes. C'est ce que nous essayons de trouver avec nos amis partenaires de la communauté internationale, mais plus particulièrement avec le gouvernement, qui, je pense, par notre canal, est sensible à ce qui se passe. Nous allons préparer des données budgétaires que nous allons présenter au gouvernement. Bientôt, une solution sera trouvée. Appel à la solidarité à canaliser à la Caisse des solidarités nationales et des gestions humanitaires des catastrophes comme bras séculier du gouvernement dans la réponse humanitaire des catastrophes, ce qui s'inscrit dans le cadre des efforts déjà déployés par le gouvernement. Entre-temps, les équipes techniques de la Commission sont à pied d'œuvre et des descentes sur terrain sont annoncées, comme à Kingabwa, Kinsuka, Bukavu, Tshopo, Équateur, ainsi que dans tous les coins touchés de la République démocratique du Congo.